José! José! Rosito! Cher Fred, tout est si paisible et si serein ici au Mexique, maintenant que la saison des pluies est terminée. Je serais très heureux si toi et tes amis veniez passer quelques jours de vacances avec ma familia à Veracruz. Je serais ravi de rencontrer enfin mon correspondant américain. Oh, ce serait fantastique et je pourrais travailler mon espagnol. J'étais certain de te trouver sur ton ordinateur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dis d'accord, j'adorerais aller au Mexique, oui. Enfin, je veux dire, si. Demandons à Vera. Coucou, tu as reçu un email. Le Mexique? L'art, les musées, les pyramides? Je suis partant. Génial. Parlons-en aux garçons. Vous avez reçu un email. Mmh.
Mexique demain. Hé, hey, faut que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Voyons ça. Réverser à 10h, faire la sieste, me détendre, somnoler. Désolé les copains, mais j'ai une journée chargée. Oui, chargée. Vous vous rendez compte qu'on sera sur place pour la fête annuelle des morts? Pour la quoi? C'est une fête où les familles se réunissent au cimetière et où elles honorent leurs ancêtres, qui sont autorisés pour l'occasion à revenir sur Terre pour 2 jours. Cimetière, ça classe les gens. Pas du tout. Ce sont les enfants qui mettent des déguisements effrayants et il y a des gâteaux et des bonbons en forme de squelette. En clair, ce sont 2 jours où l'on ne fait que manger. C'est comme Halloween. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas le temps de discuter, les amis. On doit faire nos bagages. Qu'on n'a rien oublié. Et qu'est-ce qui manque encore? Ah, la sauce. Adelante, arriba, zapatita, vamos. When you say Mexico, hey, hey, que viva. When you say Mexico, hey, 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 que viva. Makes you